coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est à Lyon. Lyon, et oui, on est à Lyon, regardez les amis. On est au marché de Noël. Wow. Il y a papa là-bas. Coucou papa. Et là, on a retrouvé quelqu'un. Mais qui est-ce? On est avec Stacy de la chaîne Stacy Lounette. Coucou. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà fait un swap ensemble, dégustation. Elle commente toutes nos vidéos, on regarde ses vidéos, donc allez vous abonner à sa chaîne, la description, là, bah, le lien sera dans la barre d'infos. Et puis on va passer un petit peu la soirée ensemble et aussi avec sa maman Sylvie. Coucou. Elle fait la timide là. Ouais, elle fait la timide, et Océane aussi d'ailleurs, elle est là. Océane, elle fait la timide, là, elle se cache, elle se cache. Voilà, les deux petites filles là. Alors Loulou, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit tour du marché, tu nous emmènes avec toi? Oui. Alors là on est devant la forêt du Norvan. Norvan, voilà. Donc il y a plein de sapins. Donc je pense qu'on va vous faire des petites prises de vue. Il y a beaucoup de monde. Regardez. Il y a beaucoup de monde. C'est comment? C'est les sapins qui sont bien connus, ça. Bah moi je connaissais Norvan. Les Norman. Mais les Norvan, non. Bon, bah dites-nous dans les commentaires si vous connaissez les Norvan. Voilà. Voilà, moi je connais pas. C'est Morvan, c'est un M. Ah oui, Morvan, pardon. Et en plus j'ai mes nouvelles lunettes. Oh là 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 là, je suis trop nulle. Bon, on va voir ce que c'est ce sapin, non? Tu veux voir, Loulou? Allez. Bon, tu vois, on a la froid, elle. Bon, il fait pas très chaud, hein. Nous, on n'est pas habitué à ça. On est plutôt habitué au sud. Et ouais, tous les sapins. Et ben, en fait, c'est une vente de sapins. Donc moi je croyais que c'était une forêt avec des petites choses, des cours et tout, mais il y a des super sapins en vente, mais nous on a déjà le nôtre. Alors ben je crois qu'on va aller ailleurs. Hein. Ouais bah quand même ils sont petits. Hein. Ils sont ouais ils sont petits ouais. Ils sont... Ah il y a plus grand là, regarde. Ouais mais ça va. Ouais il est un peu plus grand mais ouais ils sont... Oh regarde celui-là là-bas. Bon on va pas trop rester là parce que Corentin et moi-même sommes allergiques aux sapins. On est allergiques. Ah, c'est vrai. Et oui, donc oui. on y va. On va vite aller. En aller, hein. Regarde comment pas comme c'est joli là. Les petites poupées russes sont trop belles. C'est magnifique. Moi j'adore toutes ces petites décorations pour Noël, c'est super sympa. Tu voudrais en prendre? Oh regarde les petits pour le sapin, là oui il y a des petites poupées russes en version boule sujet de sapin. Et même là-haut, ça, c'est trop ça. Oh bon, oui j'adore ça. Il faut On dirait un peu comme à Venise. Wow, c'est trop beau. Il n'y a plus rien dans les assiettes. Bah, il n'y a plus rien. C'est quoi? Coucou. Nyan, nyan, il y a même des chocolats. Nyan, nyan, nyan. Qu'est-ce que tu as eu, toi? Des chocolats Raffaello. Oh, ouais, c'est trop bon, ça. Merci, Stacy. Et merci, Sylvie, surtout. Tu as encore faim, dis donc. Regardez ce qu'il a mangé. C'est la gourmandise, là. Ouais, c'est quoi ces cerfs de dingue? Ah
Ah là, tu me mets la main devant là, on va battre là. Bon appétit hein. Eh, ça se régale là, non? Glace à la fraise et mousse au chocolat. Et Corentin, c'est quoi toi? Glace à la fraise. Ouais, c'était bon? C'était bon? On va retourner au marché de Noël, hein, peut-être. Hein. Faire du pâte à glace, alors. Ouais, non? Mais si, quand même. Faire du pâte à glace. Faire du pâte à glace? Ouais. Oui, mais c'est à partir de 6 ans. À partir de 6 ans. Moi, j'ai 100 ans de vie. On va voir ce qu'on peut faire, d'accord? Mais oui, tu vas voir, tu vas apprendre. Alors, les loulous, on se retrouve le lendemain. On a quitté Stécie. On est toujours sur Lyon, là. On est toujours au marché de Noël. Alors là, il y a... C'est le matin. Il y a 1, 2, 3 chalets d'ouvert. Tout le reste est tout fermé encore. Là, on est presque tout seul sur le marché de Noël. Donc, on a passé une bonne soirée avec Stécie et sa maman. On n'a pas trop filmé parce qu'on a passé un bon moment ensemble. C'était bien. Elle était gentille, Stécie. Oui. Elle était gentille, ma louloute. On va les revoir parce qu'on s'est fait des super copains, en fait. Même le grand frère Astési, c'est un super copain, Corentin, maintenant. Donc, on les reverra. Mais nous, aujourd'hui, on poursuit notre journée au marché de Noël parce qu'au final, hier, on n'a pas beaucoup vu. Donc, bah, là, on va déjeuner et on est sous la pluie. Papa, il est là. Il est sous la pluie. Donc, bon, on y va. On vous amène avec nous. Et on va mieux regarder ce petit marché quand tout sera ouvert, bien sûr, parce qu'on est un peu seul au monde. C'est ouvert. Voilà, la dame, elle est ouverte, mais au petit-déj, peut-être, huile d'olive, je sais pas, peut-être, ça peut se faire. Les loulous, on a rencontré des petits animaux, regardez, une petite chèvre, coucou. Brigitte. Brigitte. Dédé le cochon. Monsieur. Le petit cochon. Et Pompon le lapin. Okay. Petit lapin qui est là, il est tout mignon. Eux, ils savent s'entendre, c'est pas comme nous les humains. Regardez. Ils sont mimi. Ouais, oui, pour un an, on se ils fait la mimi guerre, on se tape dessus. Ouais. Ils sont trop beaux. Waouh, trop beaux. Ça vous plaise? Ouais, vous aimez bien les animaux. Hein. Toi, pour le moment, t'as un lapin sur la tête. Hein. Oui. C'est quoi? Bah, il est là, le lapin. Alors là, pour le moment, on n'a pas encore déjeuné. On a un petit café. Voilà, on va aller déjeuner, tranquillou, d'accord? Oui. T'as faim? Oui. Ouais? Il y a papa là-bas avec Corentin? Oui. Allez, on y va. Alors, bon petit déjeuner, les loulous. Hein. Moi, j'ai une tasse comme maman, j'ai un truc comme ça. Sauf que moi, elle est un petit peu plus large. Bon appétit. Et ben, papa, il a déjà fini, lui. Glouton? Il n'y a plus rien. Il n'y a que les miettes. Monsieur Glouton. En plus, j'ai pas bu mon café encore. Bah. Chocolat, il est un peu chaud encore. Il est chaud ton chocolat? Un petit peu. Alors les amis, j'ai craqué pour une île flottante. Mais regardez-moi la taille de l'île flottante. C'est pour tous les deux. Alors, ils vont tous piocher dedans, mais regardez, j'ai jamais vu une île flottante aussi grosse. Alors pour montrer, ça c'est une cuillère à soupe. Donc voilà quoi. C'est un saladier presque. C'est juste énorme. Chez nous, on n'en a pas des si grosses. Bon, bah écoutez, je vais la manger parce qu'elle m'attend. Attends, je vais tout de suite. Ah non, piquez-moi pas ce soir. Ils viennent tous me piquer mon île flottante. Non. Thank you.
tout cas, la sauce, elle a l'air bonne. T'as faim, Louloute? Oui. Oui. Et Corentin? Ça tombe bien parce que j'ai pas nourri. Non, c'est poisson pour Corentin. C'est caché pour Océane, elle est petite. Moi, je vais avoir une. On se retrouve après le marché de Noël. C'est un trou bon avec un petit coulis de tomate. Alors là, on se retrouve après le marché de Noël dans un petit bouchon de bambou. Il y a même le Père Noël ici qui est avec nous. Alors là, c'est vraiment typique lyonnais. Là, on a guignol. Non, on mange chocolaté. Voilà, comme... à quoi ça ressemble, les amis. Donc, on avait très froid dehors. Donc là, on va se réchauffer avec un bon petit repas. C'est marrant, ces petits restaurants. Enfin, c'est tout petit. C'est tout petit, Loulou. C'est bon, c'est bon. Mais c'est très convivial, il y a plein de choses à voir partout. Ouais, c'est mais t'as l'impression de manger chez Ratatouille. T'as l'impression de manger chez Ratatouille. Ouais, c'est un peu pareil. On a même des petits. On a l'impression de manger par terre en fait. Tu vois. Et du coup, t'as l'impression de manger. C'est de la moutarde, c'est super haut. La moutarde. Par rapport à toi. Ouais. La moutarde qui pique pas. La moutarde qui pique pas. Ah non, c'est de la mayo. Oh, c'est papa, il te fait des blagues. Bon appétit, les loulous. Et pour nous, c'est le sèvre gâteau de foie avec coulis de tomate et bouillon. On va partir, on avait pris une entrée pour deux parce que c'est vraiment gros. Après, on a la suite et sinon, on va plus avoir faim. Donc, on va se régaler. Vous, vous régalez les loulous? Ouais. C'est vraiment bon, hein. Bon, pourquoi on devrait manger tout son riz? Elle était bonne, la tomate? Ouais. Alors, ça y est, les loulous, ben... on en est au dessert, donc en fait il n'y a que Océane qui mange un dessert, la grosse gourmande. C'est la seule qui a été sage. Non, c'est parce que c'est la seule qui a été sage. Donc elle a eu droit au dessert. Du tout, voilà. C'est parce que c'est la seule Quentin qui est très, pas été très sage. Gourmand. Celui de Corentin, ben, on nous l'a mis gentiment ici dans le petit aluminium, là, c'est tard, parce qu'on va reprendre la route. C'est pareil. Et papa et moi-même, ben, on n'a rien du tout parce qu'on n'a plus faim. On a pris une tête de veau super bonne. Alors peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas ou n'aiment pas ça, mais non, il y avait beaucoup pour lui, de poids à l'intérieur. Pour moi. Donc là, on va finir. C'était bon, Loulou, tu t'es régalé? Oui. Ouais. Là, on va finir et puis, bah alors. Et puis après on va aller voir les spectacles de guignol. Ouais. Je sais pas, on va peut-être prendre la route, je sais pas ce qu'on va faire. Alors les loulous, c'est sur ben, ces images qu'on va vous laisser. Et quand on est juste là, on va faire des gros bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un super décor derrière. Il est beau? Dites-nous dans les commentaires s'il est beau. Il est trop beau, c'est pas mal qui monte. On va vous laisser, on fait des gros bisous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre quoi? Un pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, on fait des gros bisous, Oli. Ciao, ciao. Bisous, bisous, les amis.